Situé au cœur du Salento, Palmariggi, c'est un vrai bijou à moins de 10 km de la mer Adriatique. Anciennement, le territoire du village avait beaucoup de feudataires, mais nous n'avons d'informations précises qu'en 1463, lorsqu'il devint propriétaire des Aragonais. Ils construisirent une forteresse pour défendre les territoires environnants et outrants contre l'invasion et les attaques des ennemis. À partir de ce moment-là, la ville est connue avec le nom de Casale San Nicola. En 1480, après l'invasion des Turcs et la prise d'Otrante, le village est devenu le protagoniste d'un extraordinaire miracle de foi. Juste avant l'attaque des Sarrasins à la forteresse, près de ce qu'on appelle aujourd'hui Monte Iuzzo, la Vierge Marie fit son apparition et avec une feuille de palmier dans sa main, se plaça à la tête d'une garnison de soldats. Les troupes turques, en croyant se trouver face à l'ennemi aragonais, s'enfuirent effrayées et depuis lors, la ville prit le nom Palmariggi, qui signifie « toi qui soutiens la feuille des palmiers ». Le centre historique de Palmariggi conserve aujourd'hui encore sa nature archaïque et vraie, grâce au charme intemporel des anciennes maisons qui donnent sur les jolies et étroites rues. Parmi celles-ci ressortent les maisons à cour, symbole incontestable de l'ancienne civilisation paysanne et expression d'une communauté industrielle. Représentative du Salento paysan, elle remonte à l'époque classique et aujourd'hui représente un patrimoine architectural d'une valeur inestimable. Autrefois, la zone de Palmariggi était humide et marécageuse, et probablement c'est pour cette caractéristique morphologique que les habitants de Palmariggi ont été surnommés carnoculari, du terme dialectal carnocula, qui signifie grenouille. Autrefois, le château aragonais de Palmariggi a représenté un important rempart de protection et de contrôle, pas seulement de Casale San Nicola, l'ancien Palmariggi, mais de tout le territoire d'Otrante. Le château a été construit au 15e siècle par les Aragonais. À l'origine, il avait une base carrée avec quatre solides tours de défense, trois circulaires et une avec une base carrée. Aujourd'hui, malheureusement, des tours circulaires seulement restent debout, reliées entre elles par un mur semi en ruine. Autrefois, tous les châteaux étaient entourés d'un fossé, qui ne pouvait être dépassé que par un pont-levis orienté en direction est. Il a été rempli en 1956. En 1485, immédiatement après le tragique sac de Otrante par les Sarrasins, le château a été complètement restructuré et amélioré d'un point de vue militaire. Ce fut Alphonse d'Aragon lui-même qui s'occupa personnellement de la reconstruction et renforcement des lignes de défense du château, lesquelles ont été construites sur la ruine de la forteresse de San Nicola. Le château subit une deuxième transformation en 1724 par Vernazza, quand une partie des remparts et une partie de la place d'armes ont été affectées par la construction du palais de la noble famille, où aujourd'hui il y a la siège de la municipalité de Palmariggi. La magnifique maison Modoni domine la place Garibaldi. Elle a été réalisée en 1796.
Pendant des années, à partir de 1938, le palais est devenu le lieu des activités politiques institutionnelles de la municipalité de Palmarigi, avant que ses fonctions soient exercées près du proche palais Vernazza. Pendant plusieurs années, la gracieuse structure a été utilisée comme établissement scolaire, en hébergeant les classes de l'école primaire. Ce qui frappe fortement est le magnifique balcon, riche de décorations artistiques dans tous ses éléments et embelli par les blasons de la famille Modoni. Le même blason figure aussi au sommet du portail de notre palais Modoni, situé à quelques dizaines de mètres de place Garibaldi. Les structures représentent une partie du patrimoine donné aux citoyens de Palmarigi par les frères Gabriele et Giuseppe Modoni pour accomplir des œuvres sociales. Sur le côté nord-ouest de la structure, il y a la tour de l'horloge qui donne sur la place de la ville. Elle marque les heures et avec ses coups les rappelle aux habitants de Palmarigi. Elle a été réalisée entre 1885 et 1889 et aujourd'hui encore domine avec sa sombre beauté les maisons de la ville. L'église mère représente l'essence de la foi chrétienne de Palmarigi. Elle a été dédiée à l'évangéliste Saint-Luc par la famille Ventura, ancien feudataire de la ville particulièrement dévoué au saint. La façade, construite en pierre de Lecce, reflète le canon baroque de la fin du VIIe siècle, puisqu'elle est décorée et enrichie avec de nombreuses décorations artistiques. Sur le joli et imposant portail central, il y a la statue de la protectrice encadrée par des niches avec la statue de Saint-Antoine de Padoue qui provient de l'ancienne chapelle du château aragonais et de la Vierge du Palmier, autrefois située dans Vierona. La grande façade termine avec un fronton sur lequel il y a le blason de la ville représenté par une feuille de palmier. L'intérieur est à une seule nef et il est surmonté par une magnifique voûte en étoile. Toute la structure est embellie par des stucs finement décorés et de nombreuses attelles latéraux. L'hôtel majeur, complètement réalisé en marbre, est surmonté par des toiles du XIXe siècle, appartenant au peintre Nicola Castelluzzo e rappresentant les apôtres Pierre et Paul. Sur la contrefaçade de l'église, il y a une gigantesque toile qui illustre l'expulsion historique des marchands du Temple de Jérusalem. L'église de la Vierge du Palmier, qui porte le nom de la protectrice de la ville, est située dans la périphérie de la zone ancienne de Palmarigi. Sa première construction remonte à la nuit des temps, mais elle a été église paroissiale jusqu'en 1569. Elle a été reconstruite en 1751, probablement à la suite d'effondrements. L'église se compose d'une façade extérieure très sobre où le seul élément décoratif important est la grande fenêtre encadrée par des niches contenant les images sacrées de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et de Saint Nicolas. La porte d'entrée est très ample et sur l'architrave il y a une épigraphe contenant
La dédicace est l'année des constructions de la chapelle. L'intérieur de l'église est petit avec une seule nef rectangulaire qui présente une couverture d'élégantes voûtes en étoiles, embellie par des décorations raffinées. L'hôtel majeur en style rococo frappe pour ses beautés et présente au centre un ancien dessin de la Vierge du Palmier. Entièrement réalisé en pierre de Lecce, il est décoré avec des statues et des décorations de grande valeur artistique qui les rend bijoux observés dans tous ses détails. La statue de la Vierge et l'enfant flanque les statues de Saint Thomas d'Aquin et Vincenzo Ferreri. Palmariggi rappresente lieu de l'âme, mais aussi de la beauté et de la culture. Ce n'est pas par hasard que le musée de la coquille et du corail a été construit ici par l'association culturelle Il Cedro del Libano. Au début, le musée accueillait une exposition temporaire intitulée Architecture de la mer. L'exposition s'est composée d'une collection de mollusques et de tout ce qui appartenait au monde marin avec un accent particulier à l'habitat local. Au cours du temps, la collection a été enrichie d'autres éléments et il a pris les caractéristiques d'un vrai musée. Aujourd'hui, le musée de la coquille et du corail est considéré le plus grand musée de ce type dans la province de Lecce, où il est possible d'admirer corail, coquilles et éponges de mer de nature différente, provenant des zones marines locales et du monde entier. Un voyage unique et inoubliable dans les merveilles des créatures marines de Dieu capables de séduire l'homme moderne, plongé dans les tourbillons de la vie quotidienne. En dehors de la zone habitée de Palmariggi, près de la colline dénommée Montiuzzo, il y a une petite chapelle rupestre, à peine plus grande en tradition et calvaire. Ce qui caractérise l'extérieur de l'église est la grande simplicité architectonique et stylistique, libre de tout élément décoratif. La façade a la forme d'une hutte avec un clocher-mur très ancien et suggestif, comme décoration religieuse. Probablement, elle a été édifiée au XVIe siècle à la suite d'un effondrement qui l'a réduite en ruine. L'église actuelle a été reconstruite au milieu du XIXe siècle. L'intérieur est nu, il n'y a qu'un petit autel et une fresque de la Vierge de Constantinople. Chaque premier mardi de mars, les jeux de la fête de la Vierge de Constantinople, pour dévotion, les jeunes de Palmariggi accomplissent un pèlerinage dans ce lieu. Après la célébration de la Sainte Messe, les participants ont l'habitude de faire un festin sur les splendides olivières qui entourent la chapelle. C'est un extraordinaire moment de fête collective
et la chapelle de la Vierge de Constantinople, appelée aussi Vierge du Mont, représente la maison de tous les monts. À quelques mètres de la zone habitée de Palmariggi, parmi la riche forêt méditerranée et les majestueux arbres de pins, il y a le sanctuaire de Montevergine. Le lieu de culte est lié à une ancienne légende. Elle raconte l'histoire d'un berger qui, à la recherche de son couteau de poche, découvrit une mystérieuse grotte grâce à l'apparition d'une belle dame. La Vierge exhorta le berger à inviter le curé et tous les habitants de Palmariggi à visiter ce lieu. En 1595, ils édifiaient une petite chapelle en son honneur. L'actuel sanctuaire de Montevergine, qui remonte au début du XVIIIe siècle, a une façade simple et linéaire, surmontée d'un petit clocher. Le temple se trouve sur une ancienne crypte byzantine où il est possible d'admirer un autel avec une antique fresque circulaire de la Vierge à l'enfant à mi-corps. Sur le plafond, il y a le blason de Vernazza, ancien feudataire de Palmariggi. L'intérieur est à une seule nef avec une élégante corniche et il présente des espaces ouverts, des balustrades et des magnifiques escaliers qui conduisent vers la crypte souterraine et puis remontent vers l'abside. L'autel majeur est un concentré de décorations et frises artistiques en style baroque. Il a été construit en 1727 par Don Francesco Vernazza, qui l'a décoré avec quatre colonnes ornées de motifs floraux. Sur le côté droit du sanctuaire, il y a un menhir d'environ 2 mètres de hauteur, qui mélange le culte chrétien avec le culte païen, plus archaïque et symbole de la vénération des divinités de la nature et du créa. Le menhir de Montevergine, situé sur une solide base de calcarénite, est l'une des nombreux témoignages mégalithiques très répandus dans tout le Salento. Sur le promontoire à gauche du sanctuaire, il y a un chemin qui représente symboliquement le chemin de croix de Jésus-Christ et qui termine sur le point le plus élevé du belvédère, où la statue du Rédempteur domine le paysage. Le somptueux artefact inspire la crainte et le respect et il représente le maillon qui relie la dimension divine de la foi et la beauté terrestre du lieu et du paysage environnant. L'élément qui caractérise le lieu de culte est l'imposant monument dédié à la très sainte Vierge Marie de Montevergine, avec une plinthe d'une hauteur de 35 mètres surmontée d'une solennelle statue de la Vierge, qui domine tout le paysage. Montevergine représente un lieu préservé qui plonge visiteurs, voyageurs et pèlerins dans la forêt méditerranée, parmi les parfums et les couleurs qui rappellent les paysages mythologiques.